Et encore du nouveau en Afrique du Sud. Cap SAS Andview. Pour toutes vos installations. TV System. DSTV. StarSat. OpenView Automation System Intercom. Monteur guide. Alarme. Caméra de sécurité. Maintenance électricité. Et l'installation de vos chaînes de la République démocratique du Congo. Comme la RTNC, RTVS1, Digital Congo, Télé50, B1, RTGA, RTNC2, RTNC3. Pour plus d'infos, veuillez nous contacter au numéro. Chers internautes spectateurs, vous tous qui nous suivez partout dans le monde, vous êtes nombreux et vous avez été nombreux à nous écrire. Alors nous vous recevons aujourd'hui encore sur ces plateaux. Nous allons recevoir M. Emmanuel Kasongo, qui est l'analyste que vous avez beaucoup préféré. Et M. Emmanuel Kasongo, je rappelle que vous étiez dans la jeunesse génération déterminée et maintenant actuellement nous parlons de l'union de jeunes patriotiques pour la diaspora congolaise. Alors, parlez-moi un peu de votre état de santé, parce que tous ces temps vous étiez absent et nous savons que vous êtes convalescent. Et il y a beaucoup de gens aussi qui vous ont soutenu, qui ont écrit par rapport à votre absence. Quels les mots que vous pouvez dire tout ça? Bonjour, Amsefo. Oui. J'étais seulement à présenter mes très sincères remerciements à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de m'avoir assisté pendant la période la plus difficile que j'ai traversée. Heureusement, j'étais gravement malade. J'ai remercié également la communauté congolaise d'avoir aussi participé, et me visiter, m'encourager. Vous savez, ce n'était pas une mince affaire. Ils ont montré quand même leur gratitude. Vous savez, les gens disent que le Congo est simple, puis ça c'est fou et archi. Ok, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous faites partie de l'Union des jeunes patriotes de la diaspora congolaise. Expliquez-nous un peu une brève perspective de ce que vous savez, ce mouvement vient de se créer, c'est pour l'encadrement de la jeunesse congolaise. Nous avions constaté qu'on est un pays divisé. Pour que notre pays aille de l'avant, pour que notre pays se développe, il faudra qu'on ait un pays uni. Et en état uni, nous sommes obligés de bannir d'abord l'esprit tribal, séparatisme, comprenez, et aussi la discrimination. Et nous devons aussi apprendre à la jeunesse congolaise d'être un patriote. Vous savez, l'esprit là du patriotisme, ça peut faciliter la tâche à notre pays de se développer. Lorsqu'un jeune est patriote, on peut se retrouver un jour à la tête avec des patriotes qui peuvent défendre ce qu'on appelle le patrimoine de notre pays. On parle de la diaspora congolaise. La question s'est posée. Pourquoi les Congolais souhaitent toujours d'aller vivre à l'étranger? Est-ce que c'est à l'étranger là où il y a ce qu'on appelle l'avenir? Est-ce que c'est à l'étranger là où il y a le bonheur? Mais nous voyons les Japonais, nous voyons les Sud-Africains qui laissent les humains ici, mais qui vont au Congo là où il y a des moustiques, qui vont au Congo dormir là où il y a, je ne sais pas, il n'y a pas de bâtiments, il n'y a pas de route. Est-ce que c'est au hasard? C'est comme si ces gens-là vont de l'autre côté, là, c'est pour seulement économiser, récupérer tout ce que Dieu nous a donné pour venir construire leur pays. Nous devons aussi nous poser des questions, c'est-à-dire que nous ne sommes pas venus aussi au niveau de la diaspora au hasard. Avec l'Union des jeunes patriotes de la diaspora congolaise, IJPDC en cycle, c'est un mouvement de la jeunesse, c'est un mouvement qui est là pour l'encadrement de la jeunesse. Je pense que dans les jours à venir, nous aurons présenté la vision de notre mouvement, nous allons présenter le comité. Ça, c'est une façon officieuse. Nous allons essayer un peu de faire un peu les... Est-ce un parti politique? Non, ce n'est pas un parti politique. Ça, c'est un mouvement d'encadrement. Okay. Parce que nous avions constaté qu'on est un peu dispersé. Vous savez, j'étais président des jeunes de la génération déterminée, en même temps chargé de la mobilisation. C'est de l'autre côté-là, nous avions appris beaucoup de choses. Vous comprenez? Nous avions appris beaucoup de choses. Et nous sommes rendus compte que
sans l'encadrement, on ne peut rien faire. Ça veut dire qu'il faudra un mouvement qui peut éduquer la jeunesse, que les jeunes eux-mêmes peuvent porter cette identité et les jeunes eux-mêmes peuvent se prendre en charge. Ok, merci beaucoup, M. Manuel Kassoudou. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, vous tous qui nous suivez, vous êtes sans ignorer que actuellement, beaucoup de gens se posent des questions par rapport aux enjeux politiques et électoraux en République démocratique du Congo en horizon décembre 2018 de cette année. Et le gouvernement vient de confirmer la programmation des élections le 23 décembre de cette année. Et vous vous posez mille et une questions. C'est ce débat que nous allons parler, dont nous allons parler ce soir. Alors, monsieur et madame Kassongo, comment avez-vous reçu l'acquittement de Jean-Pierre Bemba en prison? Vous savez, la libération de Jean-Pierre Bemba, j'étais très content. Vous savez, en tant qu'humain, on ne peut pas souhaiter le malheur d'une autre personne. Parce que Jean-Pierre Bemba doit rentrer trop vite, retrouver sa famille biologique, sa famille politique également. Mais vous savez, avant qu'on parle de la libération de Jean-Pierre Bemba, nous devons aussi comprendre que l'arrestation de Jean-Pierre Bemba était politisée. Ce n'était pas au hasard que Bemba a été arrêté. Cela était dû à quoi? Cela était dû juste au comportement politique de Jean-Pierre Bemba que les Occidentaux n'avaient pas maîtrisé Bemba. Les actes qui ont été commis en Centrafrique ont été commis par les troupes de Jean-Pierre Bemba. Mais vous savez, même on n'était pas, c'est-à-dire qui est présent en Centrafrique, pourquoi ne pas soulever les dossiers des crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo quand Jean-Pierre Bemba attaquait Moïse Laurent Désiré Kabila, la RCD Goma? C'est parce qu'il savait bien que le peuple congolais devait maintenant soulever les dossiers des Azalea Soubeyroua. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont tué. Sauf que Jean-Pierre Bemba, l'acte qu'il avait posé, vous savez, lorsqu'il venait avec les Ougandais et les Burundais, qu'il avait au moins aidé. Jean-Pierre Bemba, après la prise de la province de l'Équateur, même avait ordonné, c'est-à-dire avait donné l'ordre à ses militaires de changer les canons, de tourner les canons vers les Ougandais. Les Ougandais sont partis. Mais on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. C'est le chef qui est responsable de... Mais vous savez, le chef n'est pas sur le terrain. Vous comprenez? Oui. Le chef n'était pas sur le terrain. Jean-Pierre Bemba, le problème c'était quoi? Quant à moi, j'ai dit, l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, ce n'était pas le dossier là du Centrafrique. C'était juste le comportement que Bemba avait affiché. Jean-Pierre Bemba était trop brutal en politique. Comment? Il voulait se montrer qu'il était têtu par rapport aux autres. Juste quand ils sont allés à Saint-Cyr, vous savez bien que on préparait ce qu'on appelle l'entrée. Vous comprenez? Que tout le monde était entré dans la salle. On voulait que le président Joseph Kabila entre en deuxième position. Jean-Pierre Bemba n'avait pas voulu. Il voulait entrer en qualité en tant que président de la République, en égalité avec Joseph Kabila Kabangé. Vous comprenez? C'est-à-dire que les diplomates qui étaient là, ils ont essayé d'expliquer à Jean-Pierre Bemba de se faire humilier jusqu'à tel point que Joseph était convaincu d'entrer dans la salle. Là, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est quoi? Jean-Pierre Bemba, dans le gouvernement des 1+4, ils avaient au moins la tendance de faire quoi? De prolonger la date des élections. Et Etienne Tshisekedi avait fait appel au peuple congolais de faire quoi? De se préparer en achetant des machettes, tout ça. Oui, même à être apparu juste à la télévision pour interpeller les parents, d'interdire les enfants. Soit disant que non, papa, maman, Jean-Pierre Bemba. Au moment, il n'était pas d'abord le vice-président chargé de la sécurité. Le vice-président chargé de la sécurité, c'était Azela Soubeyroua. Là, c'était bien. Les autres, là, se sont cachés, même a fait sortir sa tête. Vous comprenez? Alors, en général, moi, je peux dire, tous les quatre présidents qui étaient là, avec Joseph Kabila à la tête, ils étaient quoi? La communauté internationale a compris que même a devait compliquer la date. Il était la seule personne qui voulait un peu empêcher ce qu'on appelle leur projet de travailler avec Joseph Kabila juste pendant le deux mandats. Mais aujourd'hui, on vient de le libérer, nous sommes très contents. Cela te montre que l'affaire là de la constitution qui a été écrite juste à Sun City,
Ça, c'était une affaire de Jean-Pierre Bemba, de Joseph Kabila. Joseph Kabila, il voulait seulement s'approprier de ça. D'abord, il a lancé dans son discours, en le 26 janvier 2018, quand il a fait ce qu'on appelle la conférence de presse, que ça, c'est ma constitution. Parce qu'il a dit que même du côté opposition, tous ces gens-là, en train de parler le respect de la constitution, ils n'étaient pas à San City, mais même étaient là. Même étaient là. Alors, monsieur Emmanuel, vous venez de parler de Jean-Pierre Bemba qui n'était pas un mal nécessaire en 2006, après les élections, et que les occidentaux devaient utiliser Kabila. Alors, Jean-Pierre Bemba était un danger, il devait écarter. Donc, c'est ça. C'est ce que nous devons comprendre par rapport à ce que vous venez de dire. Mais par rapport à ça, aujourd'hui, la libération de Jean-Pierre Bemba veut dire que la même communauté internationale a maintenant besoin de Jean-Pierre Bemba pour chasser Kabila. Ça, c'est faux et archi-faux. La libération de ces pays viendra du peuple congolais. La communauté internationale se complote contre ce pays-là, et y compris la population. Si les gens pensent que Jean-Pierre Bemba viendra libérer le peuple congolais, c'est-à-dire la communauté internationale cherche seulement à compliquer la carte politique dans notre pays. Vous comprenez? Ils cherchent seulement à créer ce qu'on appelle le glissement. En pensant que Jean-Pierre Bemba, si on le libère comme ça, comme il est libéré, le peuple congolais peut se focaliser derrière Jean-Pierre Bemba. Je vous dis une chose que nous devons mettre en tête. Le Jean-Pierre Bemba qui était à la tête du mouvement de MNC en 2006, il est toujours il est différent avec le Jean-Pierre Bemba qui sera à la tête du MNC le 23 décembre 2018. S'il aura la chance, il aura la chance de postuler. Oui, parce que... Parce que même en 2006, il était à la tête d'une force armée. Là, il faut mettre en tête. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces mouvements avaient l'ambition d'arracher le pouvoir par force, quel que soit, ils sont allés aux élections. Mais cette fois-ci, même à la tête d'un parti politique qui doit maintenant conquérir le pouvoir selon les principes de démocratie. C'est ça que nous oublions. Vous comprenez? D'ailleurs, si les gens pensent que Bemba, il est le libérateur, c'est lui le sauveur, qui veut sauver le peuple congolais, ça c'est une utopie, ça c'est une maladie. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps, je ne sais pas, en prison. Moi, je ne peux pas dire que c'est ça, c'est la prison. Vous comprenez? C'est même cas avec Nelson Mandela. Mandela était en prison. Mais quand on voulait maintenant libérer le peuple sud-africain, ils ont récupéré Mandela. Mandela a été placé à la tête. On parle de l'indépendance. Nous sommes témoins ici à l'Afrique. Qu'est-ce que les Sud-Africains disent? Les Sud-Africains déclarent chaque jour que Mandela a vendu ce pays. Et c'est vrai. Il faut voir la manière dont le peuple sud-africain sont en train de passer leur vie. En train de se bricoler. Jean-Pierre Bemba ne peut pas libérer ce pays-là. C'est comme si la communauté internationale veut seulement déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. C'est-à-dire quoi? Saint-Paul ne viendra jamais changer la liturgie de l'Église catholique, dit d'imposer aux chrétiens de l'Église catholique de ne plus prier avec le chapelet. Ils ont tous été ordonnés sur le principe de la liturgie de l'Église catholique. Alors, monsieur Jean-Pierre Bemba, sorti de la prison, alors, quelles sont les différentes personnalités que vous voyez qui pourront nous représenter lors des élections programmées par la CENI d'ailleurs, parce que le gouvernement vient de confirmer qu'il y aura les élections le 23 décembre 2018 et il n'y aura pas d'enrôlement d'électeurs de nous, de la diaspora. Alors, quelles sont les différentes personnalités que vous voyez qui pourront représenter l'opposition politique en République démocratique Congo lors des élections? Vous savez, moi, la première chose, c'est que je ne vois pas ce qu'on appelle les différents personnages qui doivent nous représenter le 23 décembre 2018 à la candidature présidentielle. Sauf que nous devons apprendre au peuple congolais. La vraie machine à voter, c'est le peuple. Ce n'est pas les instruments que les gens pensent que non, il a touché de toute façon, c'est le peuple. Le peuple doit être préparé. Si le peuple est préparé, vous verrez même que la tricherie, c'est vrai. Ces gens-là peuvent monter, mais avec réserve. Mais avec la machine. Comment préparer le peuple? Ils peuvent tricher. Comment préparer le peuple? Comment voter?
pour qui voter, comment voter, c'est-à-dire que c'est la manière de se sécuriser le jour du vote. Pour qui voter, c'est là où nous avons un grand problème. Vous savez, nous avons affaire à beaucoup de gens, surtout du côté de l'opposition. Jusqu'à présent, il y a plusieurs personnages. On parle de Moïse Katumbi, on parle de Félix Tshisekedi, on parle de Mozito, Vital Kamerhe de l'autre côté, Martin Fayoulou, lui aussi, se déclare. Comprenez, j'en peux même. Nous devons faire la distinction. Il y a des leaders qui ont de bonnes intentions pour ces pays. Mais avoir une bonne intention n'est pas synonyme d'avoir une bonne vision. Vous pouvez avoir une bonne intention, mais une fois arrivé à la tête, vous trouvez d'autres réalités. Et les gens commencent même à vous blâmer. C'est le cas de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, quand tu le parles comme ça, vous sentez qu'il a de bonnes intentions. Mais non, il n'a pas une bonne vision sur ce pays-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Prenons le cas de Félix. Félix a la réalité. Nous devons dire la vérité. Enlevons un peu les sentiments. Il n'a aucune vision. Il n'a aucune intention. Félix a été parachuté. C'est un opportuniste. Mais il a une grande base derrière lui. Mais quand on parle de la base a été construite il y a longtemps. C'est que je dis, c'est un opportuniste. Il a été parachuté. Il faut donner du temps à Félix. Qu'il apprenne d'abord la politique. Et supposons que cette base lui donne confiance. Mais la base doit donner confiance à Félix, à dépendre, je sais pas, de la vision et du projet de société. Parce que jusqu'à présent, tout a été bien préparé dans l'UDPS. Comprenez, on l'a tellement parachuté comme ça. Parlons de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a toujours des idées, comprenez, des bonnes idées sur ce pays-là, malgré que c'est quelqu'un qui joue un peu les doubles jeux. Il joue un peu de la malignité du côté opposition. On ne voit pas sa position. Tantôt il est du côté opposition, tantôt parfois Vital Kamerhe, on le suspecte du côté de la majorité. Vous savez, un visionnaire, c'est quoi? Une vision, c'est une image mentale de ce que vous allez devenir dans les jours à venir. Je sais pas si vous me comprenez. Oui. Ça, c'est une vision. Et un visionnaire est la personne d'abord qui vit selon le principe. Un visionnaire est la personne d'abord qui vit selon le projet. Il est aussi dirigé par les principes, ce qu'on appelle la discipline. Et il est motivé par les cibles. Je peux me comprendre. Mais chez nous au Congo, on n'a pas de visionnaire. Chez nous au Congo là-bas. C'est-à-dire, on a toujours eu des opportunistes qui nous arrivent. Alors, nous avons un pays riche, mais la population est pauvre. Mais être pauvre, être né pauvre n'est pas synonyme de vivre pauvre. Comprenez? Nous devons lutter. C'est un visionnaire, c'est la personne qui doit interpeller au peuple, soit disant que non. La vie ou bien ce qu'on appelle le bonheur de ce pays appartient dans vos propres mains. Alors, Kabila ne veut même pas organiser des élections selon l'ingérence internationale, parce qu'il veut organiser des élections, même ceux qui sont programmés, il veut les organiser avec les moyens propres du gouvernement congolais. Et ses disciples, parlons de ses disciples, de la majorité, parlent déjà de sa probable candidature à la présidentielle du 23 décembre. Qu'en dites-vous? Parce qu'ils disent que Kabila a le droit de se représenter, parce qu'en 2006, en 2011, du fait qu'on a eu à changer le mode de scrutin de un tour à deux tours, donc il a le droit de recommencer à postuler comme candidat. Qu'en dites-vous? Vous savez, ça c'est une insulte, c'est une bêtise. Quand la Constitution de notre pays essaie de définir à la personne qui doit gérer ce pays seulement les deux mandats. C'est-à-dire qu'après cette personne-là, il y a d'autres personnes qui sont capables de gérer ce pays-là. Mais si les gens de la majorité présidentielle veulent proposer Kabila comme étant leur candidat, cela demande qu'ils cherchent à nous faire voir que parmi eux, il n'y a aucune personne qui est capable et qui est compétente de gérer ces pays-là. Vous voyez, vous savez, il y a une chose, nous sommes des flatteurs. On cherche à flatter le président Kabila, au lieu de lui laisser seulement qu'il parte et qu'il aille un peu se reposer. Il est encore jeune,
comprenez, que le peuple congolais parlera de son histoire. Moi, je vais vous dire une chose. Si le gouvernement en place a déjà décidé d'organiser les élections avec les moyens propres, c'est-à-dire que l'aide ne viendra pas de la communauté internationale. D'abord, moi, je soutiens cette idée. Nous devons nous prendre en charge. On ne doit pas seulement c'est qu'on n'a pas avoir l'esprit de la mandistée extérieure. Mais le dossier de Joseph Kabila soit déjà de se présenter pour la troisième fois au pouvoir, c'est en complicité avec la communauté internationale. Je vous avais dit, vous vous rappelez autrefois, que ces élections dans notre pays ne seront jamais tenues si le président Kabila n'arrive pas à faire le troisième mandat. Si Kabila doit faire le troisième mandat, on aura plein les élections dans ce pays-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette constitution-là, c'est quelque chose qui a été taillé, vous comprenez, qui a été cousu, comme je vous avais dit, à sa taille. Oui, mais la vraie solution. Aujourd'hui, cette constitution n'a plus sa taille parce que la constitution lui interdit de se pré-représenter là. Mais il cherche à s'imposer. Je vous dis, il cherche maintenant à imposer au peuple congolais. Pour vous dire quoi, nous avons affaire à ce qu'on appelle aux leaders de l'opposition. Ce sont des gens qui n'ont pas de stratégie à donner au peuple congolais. Comprenez, Kabila peut partir, c'est pas la révolution, mais le soulèvement populaire. Comprenez, il faudra qu'on ait quelqu'un qui peut pousser le peuple au soulèvement. Là, en tout cas, c'est très important. Soit disant que Kabila, oh, allons aux élections, mais en 2006, en 2011, la communauté internationale avait financé ce qu'on appelle les élections. Vous comprenez? Après la publication, le peuple s'est lamenté, il y a eu la tricherie, il y a eu tout ça. Nous devons préparer notre peuple. Nous devons avoir les dirigeants capables, vous comprenez, du côté opposition, de préparer la masse, de conscientiser la masse, de mobiliser la masse, vous comprenez, avec la vraie idéologie. Au lieu de tromper la population, mais les peuples, soit dire que nous sommes allés vers la communauté internationale, la communauté nous a dit ceci, ce qui s'est passé, je ne sais pas, l'année passée, Kabound a dit ça devant les militaires de l'UDPS, que nous sommes allés visiter les gens, c'est cela, nous ont proposé, soit dire que non, ils ne peuvent jamais venir, si nous-mêmes, nous ne commençons même pas. Mais on a vu l'envoi spécial de Trump. N'est-ce pas, elle est venue chez nous au Congo. C'est elle qui est venue avec le glissement. Quand vous parlez de Nikki, elle est venue. Je parle d'elle. Quand elle est venue, malheureusement, j'étais malade, vous comprenez? J'étais dans un état critique. Quand elle est venue, elle a imposé à la CENI de publier ce qu'on appelle les calendriers. C'est elle qui était venue avec le glissement. Mais quel était le langage que l'opposition devait donner devant la population? C'est mobiliser le peuple et se diriger vers l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Que nous, nous découvrons aujourd'hui que vous êtes complices. Comprenez? Vous voulez tuer notre démocratie. Alors, aujourd'hui, le régime en place est en train d'utiliser les stratégies d'élimination des grandes têtes au niveau de l'opposition. Nous avons Moïse Katumbi qui est coincé à l'extérieur parce qu'il ne veut plus, le gouvernement ne veut plus lui octroyer sa nationalité congolaise parce que c'est vrai qu'il avait perdu en s'octroyant la nationalité italienne, mais il s'est déjà radié de ça. Alors, que dites-vous de la situation de Moïse Katumbi? Peut-il postuler en République démocratique du Congo en tant que président de la République? Moi, je vais dire une chose. Vous savez, je ne veux plus commenter. Je ne veux plus dire beaucoup de choses sur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, il s'est terminé lui-même. Vous comprenez? Il y a un adage latin qui nous dit ceci. Multi sunt vocati, pauci vero electi. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Vous comprenez? Créer un parti politique ou bien un mouvement, il faut avoir la capacité de maîtriser ces mouvements. Il faut avoir la capacité de défendre d'abord l'idéologie de ces mouvements. Vous comprenez? Mais c'est ce qu'il fait. Si ils ont éliminé Moïse Katumbi de ne pas assister ou bien participer aux élections, le mouvement-là ne lui appartient pas. Vous comprenez? Ce n'est pas un mouvement individuel. Il ne doit pas individualiser. Il peut même envoyer quelqu'un de son parti, de son mouvement, d'aller postuler. Vous comprenez? D'aller postuler, de défendre sa vision. Si lui pense que non, c'est parce qu'on parle des problèmes de nationalité, parce qu'il avait opté la nationalité italienne. La question s'est posée, quand est-ce que Moïse avait opté la nationalité italienne?
que la majorité présidentielle nous explique. C'est pendant la période qu'il était gouverneur de la province ou c'est après? Maintenant, si c'est pendant la période qu'il était gouverneur de la province du Katanga, pourquoi ces gens-là ont pu laisser ce monsieur-là, ils ont laissé ce monsieur-là de postuler à la députation d'abord nationale en 2006, en même temps provinciale? Vous voyez? Ça signifie quoi? Le problème là de la nationalité, ce n'est pas seulement Moïse Katumbi. Il y en a beaucoup de choses là qui sont protégées, beaucoup de gens qui sont protégés sur ça. Ça, c'est un faux débat, moi je vous dis. Comprenez? Si Moïse Katumbi a de bonnes idées, et il est conscient lui-même qu'il est congolais, qui se défend? Qui se défend? Comprenez? Il y a la capacité de créer l'engin, et aussi il faut avoir la capacité de maîtriser l'engin. Moïse Katumbi, il fait la politique de terre à terre. Il doit être soudé, c'est-à-dire qu'il est entouré des gens qui sont mûrs. Vous me comprenez? Pas mais il est quand même, nous voyons des gens comme le délice Sanga, Olivier Kamita, tous, ce sont des gens très intelligents. Parce que l'intelligence des gens qui entourent Moïse Katumbi, est-ce que si c'est vrai que ces gens-là étaient très intelligents, Moïse ne devait plus se retrouver au Rwanda d'aller s'incliner, là où il y avait ce qu'on appelle le génocide. Vous comprenez? Il y a combien de morts au Congo? À Goma? Il y a combien de morts? Mais lui, il va s'incliner, c'est comme si le salut, mon frère, des Congolais viendra du Rwanda. Juste pour que vous me compreniez. C'est-à-dire quoi? Ce que moi je vais conseiller d'abord à nos leaders politiques, c'est de ne plus faire des vagabondages, de ce qu'on appelle les pèlerinages par-ci, par-là, vers l'Occident, les États-Unis, le Rwanda, au Rwanda, en France. Faire voir au peuple congolais que leur salut viendra de là. Non. Le salut du peuple congolais viendra de lui-même, par l'entremise de l'autopuise en charge. Si aujourd'hui il y a élection, qui allez-vous soutenir? Parce que en vous entendre parler, vous êtes en train de vous attaquer à tous les opposants. Finalement, qui allez-vous soutenir? Personnellement, si nous voulons faire ce qu'on appelle le curriculum vitae de chaque candidat, je vais vous dire une chose. La seule personne qui n'a pas ce qu'on appelle, c'est-à-dire que son curriculum est encore vide, c'est Félix Tshisekedi. Parce que Félix n'a pas travaillé à l'époque de Mobutu, à l'époque de Mousset, ni à l'époque de Kabila. Je ne sais pas si vous me comprenez. Félix est encore vierge dans son curriculum. C'est le moindre mal. Non. Écoutez d'abord ce que je vais vous dire. Quant à moi, s'il s'agit de voter du côté opposition, comprenez, je vais voter Félix. Je mettrai Félix. Parce que nous connaissons Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, il était du côté de la majorité. Je me rappelle, en 2001, au mois de février, quand le président Joseph Kabila, après l'assassinat précoce de Moïse Laurent Désiré Kabila, quand le président Joseph Kabila, il y avait le conseil des ministres, il discutait au moins sur la majoration des salaires des militaires et des policiers. Vous comprenez? On proposait de majorer les salaires des militaires et des policiers. Il y avait le ministre qui avait refusé. L'entourage de Joseph avait refusé. À la fin du mois, qu'est-ce qui s'est passé? On a payé le ministre. Ils ont ouvert les enveloppes comme ça. Il y avait les $100 dans les enveloppes. Ils ont dit au président Kabila, non. Ils ont fait un peu l'erreur, tout ça. Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il avait dit? Non. Il n'y a pas eu l'erreur commise. Nous avons fait sciemment parce que, expressément parce que, vos fonds doivent sentir comment les femmes des militaires et des policiers sentent. Parmi le ministre qui refusait de majorer les salaires des fonctionnaires, des militaires et des policiers, aujourd'hui ils sont dans du côté opposition. Ils veulent faire voir au peuple congolais comment Kabila est mauvais, entre autres Vital Kamerhe. Vous me comprenez? Alors que moi je ne peux pas tellement commettre cette erreur-là d'aller voter Vital Kamerhe. Moïse Katumbi, vous comprenez? Il a travaillé avec Joseph Kabila Kabangi. Il parle aujourd'hui, Joseph a échoué. Si Joseph a échoué, il se fait que lui aussi a échoué. Comprenez? Moi, personnellement, je peux donner la chance à Félix. Je peux donner la chance à Félix parce que Félix, jusqu'à présent, son dossier est encore vide. Comprenez? On ne sait pas ce que Félix pense sur ce pays. Il n'a jamais eu la chance de voler. Comprenez? Soit dire non, il a volé. Il avait comme non. Félix est encore vide. On peut lui donner la chance. Là, c'est selon moi. Okay. Là, ça m'engage que moi. S'il y a encore d'autres personnes qui veulent aller au débat avec moi, vous comprenez, ils peuvent venir, je suis prêt
comprenez? Je fais quoi? De me défendre, mais de défendre mon opinion. Alors, quelle perspective voyez-vous de la République démocratique du Congo après le 23 décembre 2018? Y aura-t-il élection? S'il y a élection, y aura-t-il apaisement? Qu'en dites-vous? Vous savez, jusqu'à présent, il est un peu difficile de faire quoi? De prédire sur la situation qui doit se dérouler après le 23 décembre 2018. Parce que l'opposition a tendance de ne pas participer aux élections parce que la majorité a déjà précisé qu'on aura les élections avec la machine. Je ne sais pas si vous me comprenez. La machine a voté. Et en même temps, l'opposition a tendance à dire que si Kabila n'arrive pas à présenter son dauphin, on n'aura pas quoi? Les élections. Ça signifie quoi? On peut aller aux élections avec Kabila. Avec la machine à voter. Je vous dis avec la machine à voter. Alors, pensez-vous qu'il y aura... C'est vrai, les régimes en place est refusé par la population. Pensez-vous que le candidat de l'opposition gagnera ces élections? Il est difficile. Là, en tout cas, il est difficile qu'un candidat de l'opposition de gagner quoi? De gagner les élections. Je vous dis, même si le président Kabila n'arrive pas à se présenter. Alors, parce que la majorité présidentielle... Ces gens-là, ils ont géré ce pays pendant plus ou moins de 17 ans. Vous comprenez? Ils ont contrôlé la Banque nationale. Donc par là, vous voulez dire que la population a encore besoin de ces régimes? Parce que c'est la population qui vote. Vous savez, tout ce qui se passe dans notre pays-là, soit disant les élections, ce n'est pas par la volonté du peuple. Vous comprenez? On nous impose, je vous dis. Mais sauf que nous avons affaire à un peuple un peu naïf. Vous comprenez? Ce peuple doit être préparé. C'est-à-dire que l'opposition doit préparer ce peuple. Alors, M. Manuel, aujourd'hui nous sommes le 30 juin 2018. Quelles leçons détenez-vous de différentes expériences que nous avons eues dans notre pays après l'indépendance jusqu'à aujourd'hui? Et quelles perspectives de solutions donnez-vous à la République démocratique du Congo pour que nous puissions commencer à célébrer le 30 juin comme une date d'anniversaire? L'expérience que moi-même j'ai vécue dans notre pays, c'est le tribalisme. Le tribalisme, la division de tous ces pays. Vous savez, nous sommes obligés de trouver à la tête de ce pays un rassembleur. La personne qui peut être capable de rassembler le peuple. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque nous sommes unis, tout ira en avant. Parce que la division, c'est quelque chose qui fait traîner le pays. Vous savez, les Occidentaux vivent selon le principe de la loi appelée « divide et impera », divisé pour régner. Aussi longtemps on est divisé, on n'avancera pas. Moi, je vais demander à notre peuple de faire quoi? De vivre en commun, d'enlever l'esprit tribal. Ce n'est pas pour rien que l'Union des jeunes patrons de la diaspora congolaise, comprenez? C'est un mouvement des jeunes qui est là pour inculquer l'esprit de l'unité, le patriotisme, comprenez? Et en même temps que le peuple doit aimer ces pays-là. En tout cas, merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Et comme dernier mot, qu'est-ce que pouvez vous dire par rapport à la situation globale international actuel. Les derniers mots, je vais dire seulement, j'invite d'abord les peuples congolais à aimer ce pays et à se positionner. N'est pas à espérer que la communauté internationale et les Occidentaux viendront nous faire quoi? Nous libérer. C'est vrai, Jean-Pierre Bemba est libéré aujourd'hui. N'est pas un synonyme que Jean-Pierre Bemba, c'est un libérateur. Vous savez, il y a un adage français qui dit ceci. Si longtemps qu'un morceau de bois reste dans l'eau, il ne change pas en crocodile. Jean-Pierre Bemba, il est tel qu'il est. La manière dont il avait géré ce pays quand il était vice-président des finances, c'est de la même manière qu'il peut gérer ce pays quand il sera président de la République. Comptons nous-mêmes, c'est-à-dire que ce pays sera libéré par le propre effort, par nos propres efforts, pas les efforts des autres là, soi-disant que la libération vient de l'Orient ni de l'Occident. Non. Merci beaucoup, M. Emmanuel Kasongo, et bon retour dans votre
Et puis je vois que vous avez une bonne mine maintenant actuellement. Je sais que pas encore. Mais maintenant ça va. Alors merci chers internautes, spectateurs, vous tous qui étiez là nombreux en train de nous suivre. Alors n'arrêtez pas de nous écrire comme vous écrivez toujours. Les numéros qui est en bas de vos écrans. Faites des commentaires sur YouTube et nous allons vous répondre personnellement. Merci beaucoup et à la prochaine.